Bonsoir. Bonsoir et sachez que je suis très heureux de vous retrouver toutes et tous ce soir au MUCEM pour cette nouvelle saison du Temps des Archives coproduite par le MUCEM et l'INA, soutenue par les amis du MUCEM et diffusée sur France Culture Plus. Pour cette nouvelle saison, nous allons tourner autour d'un grand homme, une grande figure du XXe siècle, celle de David Ben-Gourion, qui revenait au pouvoir il y a 60 ans exactement, puisque c'était en novembre 1955, après avoir déjà exercé ce pouvoir pendant 5 ans entre la création d'Israël, 1948 et 1953. Qui était cet homme, qui était né en Pologne à la fin du XIXe siècle? Quel rôle a-t-il joué dans la création d'Israël et dans les guerres qu'a menées le pays contre ses voisins arabes? C'est ce que nous allons voir avec Frédérique Chillot, elle est chercheuse associée au Centre français de Jérusalem, et nous la remercions de nous avoir rejoints ce soir, ici au MUCEM. Elle est auteure d'une thèse très importante, saluée un peu partout, pour avoir fait le point sur la politique française à l'égard d'Israël entre 1946 et 1959, c'est-à-dire la période qui nous intéresse plus particulièrement, une thèse publiée chez André Versailles. Vous voyez, c'est une vraie thèse, c'est pas un extrait de thèse, c'est une thèse. Donc, et elle est aussi l'auteur, la co-auteur avec Marius Schattner, d'un livre tout à fait excitant intellectuellement et aussi même presque, pourrait-on dire, une sorte de thriller politique et diplomatique qui s'intitule « La guerre du Kippour n'aura pas lieu », fondée sur des archives inédites et un travail d'archives très très passionnant autour justement de la préparation et du déclenchement de cette guerre du Kippour. Mais puisque nous parlons d'un grand homme, puisque nous parlons de David Ben-Gourion, une grande figure du XXe siècle, eh bien il faut peut-être la voir et nous allons commencer tout de suite par cette archive, un grand intervieweur, Pierre Dumayet, un des cofondateurs de 5 colonnes à la une, était allé interroger en 1959 David Ben-Gourion à Eilat, et c'est ce reportage que nous allons voir en ouverture pour à la fois nous représenter le personnage et déjà entamer un début de biographie. Cette ville a 10 ans, mais il y a longtemps qu'un homme avait décidé de la créer. Cet homme est le chef du gouvernement israélien, le président Ben-Gourion. Aussi, la première question que je lui ai posée concerne-t-elle Eilat. Je préfère le bref parce que je ne parle pas le français. Je lis le français. Vous le parlez très bien. Oh, essayez-vous, monsieur le président. C'est vous, monsieur le président, qui avez décidé la création d'Eilat, n'est-ce pas? Moi, j'arrivais à Eilat la première fois il y a 35 ans. C'était un complet désert. Seulement 3 gîtes pour la police, avec les inscriptions en anglais, en arabe, en hébreu, la police palestinienne. Et j'ai dit à moi-même, ici sera l'Eilat, la première porte de notre peuple dans le temps de le roi Salomon. Il y a un peu plus de 50 ans que vous êtes arrivé en Israël, monsieur le président. Quand vous pensez à ces premières années, à votre arrivée même, quels sont les faits ou les sentiments dont vous avez gardé le souvenir le plus vif? Il y a 52 ans que je suis dans ce pays. Je suis arrivé à Jaffa. Jaffa était alors un petit bourg aux ruelles étroites où ne vivait qu'un petit nombre de juifs dispersés parmi les Arabes. Ce n'était pas le pays auquel j'aspirais. J'en suis reparti le jour même. À pied, je suis allé jusqu'au premier village que nous avions créé dans ce pays, Petah Tikva. Là, j'ai trouvé ce dont j'avais toujours rêvé. Des vignes et des orangeries, des juifs travaillant la terre et parlant hébreu. Je restais là pendant 1 an, je travaillais dans les orangeries, j'avais la vie que j'avais voulu, je me sentais heureux. הרגשתי שאני מושר, כי השגתי מה שרציתי.
Vous avez souvent déclaré que vous étiez prêt à rencontrer n'importe quel chef arabe. Que lui diriez-vous si cette rencontre avait lieu ? Je suis toujours prêt à les rencontrer. Et si je les rencontre, je leur dirai que la querelle qui nous sépare nous nuit à tous les deux. Peut-être même plus à eux qu'à nous. Car nous édifions notre pays malgré ce fardeau, tandis qu'eux, ils consacrent la plus grande partie de leurs revenus à l'achat d'armements pendant que leur peuple continue de vivre dans le dénuement. Je leur dirai aussi, nous avons tout à gagner, non seulement à faire la paix, mais aussi à ce que chacun donne à l'autre ce qui lui manque. Nous avons tout à gagner à une coopération sur le plan économique, politique et culturel. Monsieur le Président, lorsque vous regardez la carte d'Israël, êtes-vous inquiet ? Quand je regarde la carte d'Israël, ce ne sont pas les pays d'alentour qui m'inquiètent. Ce qui m'inquiète, c'est de voir que le désert occupe encore une grande partie de notre pays, le Negev et le Sud. Notre objectif principal est de peupler ces régions qui sont désertiques, en partie parce qu'elles ont été abandonnées par les hommes, en partie parce qu'elles ont été ainsi faites par le Créateur. Et nous pensons être capables de parachever d'ici 10 ou 20 ans ce que le bon Dieu n'a pas eu le temps de terminer. Voilà donc pour cet entretien qui nous permet de nous approcher de la figure du personnage Ben Gourion. On y entend des choses qui nous intéressent. D'abord que, alors qu'on est en 1959, il met le premier pied à Eilat 35 ans plus tôt, ce qui nous ramène au tout début du XXe siècle. Alors Frédéric Chilot, ce personnage, est-ce que vous pouvez nous dresser une biographie sommaire ? Où est-il né ? Où a-t-il grandi ? Comment est-il arrivé en Israël ? Quand il arrive en Israël, donc il le dit dans cet extrait, déjà on remarque que Ben Gourion parle français. En fait, il parlait une demi-douzaine de langues. Il parlait le français, l'anglais, il parlait le turc, il a étudié en Turquie, à Istanbul. Il parlait le polonais, le russe, l'allemand, le yiddish, et il ne parlait pas l'arabe. Il ne l'a jamais appris. Ce qui dit beaucoup aussi de son rapport avec le monde arabe, avec les voisins arabes, même si dans cet extrait, il se dit proche d'eux et prêt à une coopération. Dans l'extrait également, ce qui est intéressant, il parle donc de son premier rapport avec Israël, et c'est Jaffa. En fait, il est arrivé à Jaffa, et il a eu un dégoût de la ville, et il a dit « c'est pire que Plonsk ». Et Plonsk, c'est la ville de naissance. Voilà, c'est la ville dont il est originaire. Donc il est né en Pologne, il est né en 1886 à Plonsk. C'est une ville de Pologne, une ville de la Pologne russe. Et là-bas, c'est une petite ville. Il la décrira ensuite comme une ville intéressante, une ville des Lumières juives, de la Haskalah. En fait, c'était une ville moyenne. Son père est un avocat. En réalité, c'est plutôt un chargé de requêtes. C'est le premier juif, son père est le premier juif à avoir abandonné l'habit Haredim, l'habit des orthodoxes. Il est contre la religion. C'est un fervent sioniste. Il inculque à ses enfants, à David Ben-Gurion, cet amour du sionisme, cet amour de Sion, de l'hébreu moderne, qu'il apprend également. Et il va décider très tôt de venir en Palestine. Il va s'installer d'abord... Il arrive en 1906, c'est ça ? Il arrive en 1906 à Jaffa. Donc il a 20 ans. Et très vite, il part suivre son idéal, c'est-à-dire la terre. En Palestine, c'est le retour à Sion. Et c'est l'idée que les Juifs vont reconquérir cette terre. Il est donc travailleur. Il fait d'ailleurs partie d'un parti politique qui sont les ouvriers de Sion, et il part dans un kibboutz. Il le fera quelques années plus tard, quand il prendra sa retraite. Il part dans un kibboutz et il travaille la terre. Il est laboureur. C'est pas du tout
C'est très loin de ce qu'il est réellement. C'est un intellectuel. Alors, entre-temps... Oui, c'est-à-dire c'est une sorte de regard qu'il porte sur lui-même et d'envie qu'il a de ressembler à ce qu'il croit être celui qui doit arriver sur la terre d'Israël, la travailler, etc. Mais très rapidement, il va abandonner ce rêve pour devenir un politicien, un homme politique. Exactement. Mais il y a cet idéal-là qu'il ne lâchera jamais jusqu'à la fin de sa vie. C'est l'idée que les Juifs vont reconquérir la terre, faire fleurir le désert, c'est important. Il en parlait là, dans cet entretien. Notamment Eilat. Il y a l'idée de faire fleurir le désert, c'est l'idée d'une nouvelle frontière. Alors, d'abord, le retour à Sion, c'est Jaffa, des alentours de ce qui aujourd'hui est Tel Aviv, Jérusalem, bien sûr, mais surtout le désert, pour Ben Gurion, le Negev, ce qui est une nouvelle frontière. Et il pense déjà à Eilat, à un accès sur la mer Rouge. Comme il le dit, le premier port de notre peuple, ça pourrait être le premier port de notre peuple quand il met les pieds à Eilat pour la première fois. Alors, il arrive dans un territoire qui est un territoire palestinien, qui va devenir assez rapidement un territoire sous mandat britannique. Quelle position prend-il dans ces années d'entre-deux-guerres, avant la Seconde Guerre mondiale ? Il est politique, il est militant. Est-ce qu'il est pour la violence armée, comme d'autres le sont dans cette période de l'entre-deux-guerres et de la Seconde Guerre mondiale? Quelle est sa position à Ben Gurion à ce moment-là? Il n'est pas encore dans la révolte. Il est dans l'idée de coopération judéo-arabe quand il arrive dans les années 30. Il y a cette idée d'un idéal un petit peu fantasque et pas réaliste. Il imagine qu'une coopération est possible. Très vite, il se rend compte que les Arabes refuseront l'existence d'un État juif. Mais contrairement à d'autres, par exemple, Moshe Dayan, plus tard, qui est très proche du monde arabe, qui visitera les villages arabes. Qui parle arabe. Lui a une distance. Son idée d'union judéo-arabe est quelque chose qui n'est pas réaliste, quelque chose de fantasmé. Quand viennent ensuite les premières émeutes arabes et la révolte arabe dans les années 20, Ben Gurion ensuite va prôner la violence et va prôner la riposte. Et ça va être par l'intermédiaire de quel mouvement armé qu'il va permettre de... Alors, ce sera par la Haganah. Mais par exemple, là, on va déjà dans les années 40. En 1946, quand il est à Paris, il décide d'un grand mouvement de révolte, à la fois contre la présence des Britanniques et aussi de riposte aux Arabes. Quelle position prend-il par rapport à d'autres grands fondateurs d'Israël, Haïm Weizmann par exemple, ou d'autres? Il est proche, il est distant d'eux, etc. Comment ça se passe? Alors, c'est vrai, Ben Gurion, c'est vraiment un des grands monstres historiques, comme dit sa biographe Anita Shapira. Il y a Herzl, qui a eu l'idée du sionisme à la fin du 19e. Il y a Weizmann, qui est l'architecte d'un État d'Israël. Et qui pousse à la négociation des accords Balfour, etc. Qui pousse à la négociation, qui est diplomate, qui est un homme mesuré. Haïm Weizmann, c'est l'homme de Londres. Il négocie avec les Anglais. C'est il a un côté aristocrate anglais. Il est très bien à Londres, d'ailleurs. Et Weizmann, ses ennemis disent de lui qu'il adorait le sionisme, mais pour lui... Il n'était pas encore jamais le moment d'aller en Israël, d'aller s'établir en Israël. Ben Gurion, lui, est beaucoup plus direct. D'ailleurs, il n'a pas beaucoup de diplomatie. Il est plus violent. Dans ses rapports, il a des rapports plus durs, plus francs, plus. En tout cas, sans aucune diplomatie, il ne met pas de gants. Il a un rapport avec les autres qui est très froid. C'est un peu Nixon, vous voyez, cette idée d'un personnage intellectuel, stratège, mais qui a du mal dans la relation avec l'autre. Par exemple, quand il prendra sa retraite en 1953, il ira dans un kibbutz et il dira
C'est fabuleux parce qu'enfin au kibboutz, je n'ai plus besoin de serrer la main des gens. C'est une barbarie qu'on m'a imposée jusque-là. Et dans le kibboutz, je suis libre. Alors, donc, il prend la présidence, à partir de, enfin, présidence du Conseil à partir de 1948, la création d'Israël. Ensuite, il y reste jusqu'en 1953. Nous, on a choisi de démarrer cette soirée avec 1955 parce que c'était un anniversaire. Qu'est-ce qui fait qu'il quitte le pouvoir au bout de 5 ans et qu'il va y revenir un an et demi plus tard, Frédéric Chillot? Ça, c'est vraiment une des grandes énigmes de l'histoire d'Israël ou de l'histoire tout court, parce qu'il y a très peu d'exemples de leaders politiques à ce point, qui ont à ce point compté dans l'histoire et qui décident de se retirer, qui décident de démissionner, de se mettre en retrait des affaires. Mais parce qu'il a une opposition trop forte ou pas ? Il y a beaucoup de suppositions qui ont été faites. Tout d'abord, il y avait l'idée que Ben-Gourion a tout fait. En 1953, quand il décide de prendre sa retraite, il est vraiment au fait de sa gloire. C'est un monstre politique. C'est, comme le dit son ami, le cadeau, son ami Katznelson dit de Ben-Gourion, c'est le cadeau de Dieu au peuple juif. Il est vraiment adulé, adoré. Malgré sa froideur. Malgré sa froideur, oui, parce qu'il a tout fait. Il a amené le peuple vers la création d'un État. Il a proclamé la création de l'État d'Israël le 14 mai 1948. Pour lui, c'est la décision la plus importante et c'était la plus risquée de sa vie. Ensuite, il a dû affronter la guerre. La première guerre. Au soir même de la proclamation de l'État d'Israël, cet État a été envahi par 5 armées arabes. Ben-Gourion était là et il a mené le peuple à la paix. Il a construit l'État. Il a construit cet État naissant. Les institutions. Les institutions. Il a organisé l'immigration de masse. Et il est vraiment le bâtisseur de l'État. Et il n'a plus rien à prouver, finalement. Que pourrait-il faire de mieux après ces 5 années de pouvoir où il a vraiment tout réaliser, où il pourra rester, pour ces années de pouvoir, il pourra rester à jamais dans l'histoire. Est-ce que finalement il est assez fort pour se satisfaire de la politique politicienne, de la politique au quotidien? Est-ce que comme Churchill, il se réalise dans l'effort, dans l'épreuve, et puis ensuite arrive le quotidien, il s'ennuie, et même il commence à douter peut-être. Est-ce que où va aller Israël ? On le sait, ça, de ces tergiversations intellectuelles qu'il peut avoir à ce moment-là ? Oui. Est-ce qu'il l'a livré à des proches, ses hésitations, ses débats, ses discussions ? Ses amis se sont posé la question, mais lui n'a jamais expliqué pourquoi il avait décidé de quitter le pouvoir. Il a simplement, dans sa lettre de démission officielle qu'il donne à la fin de l'année 1953, il explique que c'est de l'épuisement. C'est vrai que c'est une grande fatigue. Il est déjà... c'est un homme de 65 ans. Mais c'est l'âge auquel son héros, enfin, son modèle, disons, Churchill, s'est réalisé. Autour de lui, certains disent aussi, peut-être, finalement, tout cela n'est qu'une mise en scène. S'il se met en retrait, c'est pour être désiré. Il est tellement adulé. C'est le père... il a une figure paternelle, c'est le père du peuple, de la nation. Est-ce qu'on va encore l'aimer dans le quotidien, cette politique politicienne pas intéressante? D'autres y voient carrément une manœuvre parce qu'en fait, il va décider de se retirer dans le désert, mais il continue à recevoir, il continue à être consulté, à conseiller. On a connu ça avec un autre grand homme français qui se retire à Colombey-les-Deux-Églises et qui attend qu'on vienne le voir. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Il conseille, ses amis viennent le voir. En fait, juste avant de démissionner, en 1953, il a placé ses amis au pouvoir, à des postes importants. Il a placé le ministre de la Défense, Lavonne. Il a placé Moshe Dayan. Le chef d'état-major. Il a placé aussi quelqu'un qui lui sera fidèle jusqu'à aujourd'hui. C'est Shimon Peres, l'architecte de l'amitié franco-israélienne. Et tous ces jeunes gens qu'il a placés ont à peine 40 ans. Il les a placés, il sait qu'il va
pouvoir continuer à suivre les affaires. Alors, il revient non pas à la fin de 1955, en novembre 1955, un peu plus tôt, puisqu'il revient comme ministre de la Défense pendant le printemps 1955. Donc, il quitte pendant un an et demi le pouvoir. Et ces questions de défense l'intéressent toujours, puisqu'à peine revenu au pouvoir en tant que Premier ministre, en mars 1956, eh bien, il se rend avec justement celui dont vous venez de parler, Moshe Dayan, chef d'état-major, pour travailler aux fortifications des villes frontières, et cette ville s'appelle Miftahim. En Israël, l'armée a décidé de prendre en main la fortification des villages établis dans les zones frontières. Chaque soldat maintenant y consacrera un jour par semaine. C'est ainsi que dans la région de Gaza, des tranchées se creusent, des réseaux de barbelés se tendent. Autant de travaux que les habitants n'auraient pu, seuls, mener à bien. À Miftahim, le Premier ministre, M. David Ben-Gourion, et le chef d'état-major ont tenu à ouvrir eux-mêmes la campagne de fortification. Voilà un homme qui est né à la fin du 19e siècle, qui ne connaissait pas le cinéma lorsqu'il est né. En l'occurrence, le cinéma n'existait pas, mais dont on a l'impression que, sous son dehors bonhomme, il sait assez habilement, comme d'ailleurs d'autres à la même période, Churchill ou De Gaulle, utiliser les images. On est là dans un reportage qui est quasiment un reportage de propagande, en l'occurrence. Et il a su utiliser à divers moments la question des images pour pouvoir renforcer son pouvoir ou renforcer l'image qu'il se faisait d'Israël, Frédéric Chillot. Oui, il sait utiliser son image, il sait l'impact qu'il a aussi sur les gens. Il a un charisme incroyable. Et ce petit... Ça n'apparaît pas comme ça, parce qu'il fait un peu lutin comme ça avec ses cheveux en bataille et son caractère un peu chauve sur le dessus. Il est comme ça depuis qu'il a 40 ans, en fait. Et depuis qu'il a la quarantaine, on l'appelle le vieux. Mais là, quand il a plus de 65 ans, c'est vraiment le vieux, la figure paternelle, l'autorité incarnée. Et puis, c'est l'homme de la victoire. C'est vraiment un héros incontesté. Et est-ce qu'il sait à l'époque, ou est-ce qu'il imagine, c'était une des questions que lui posait Pierre Dumayet tout à l'heure en 1959, l'état maximal, l'État qu'il voudrait avoir sous sa coupe, les frontières d'Israël idéales, ou est-ce que, comme d'autres leaders israéliens, il va construire plus ou moins cette idée du grand Israël au fur et à mesure que les conquêtes ou les guerres vont se dérouler, Frédéric Chillot? En fait, Ben-Gourion, depuis 1946, quand il était président de l'agence juive, avait décidé, avait accepté, disons, le partage de la Palestine. Et en 1946, il y a un grand plan présenté par l'agent juive, et les Israéliens, les sionistes de l'époque, abandonnent l'idée de l'Israël biblique et acceptent un plan de partage, acceptent qu'il y ait un État arabe, un État juif. Même dans ce plan, en 1946, ils acceptaient que Jérusalem soit internationalisée. Et vous qui travaillez sur les archives secrètes parfois, etc., c'était un discours dont vous pensez qu'il était, comment dire, sincère, ou c'était un discours stratégique pour pouvoir laisser croire justement à cette bonne volonté du nouvel État en voie de création? C'est un compromis intelligent, parce que ça permettait de mener et de poursuivre les discussions diplomatiques avec les grandes puissances. C'était le seul moyen, et c'est l'intelligence de Ben-Gourion, d'avoir compris que c'était la seule façon de pouvoir traiter avec les grandes puissances. Il lui fallait l'accord des grandes puissances pour pouvoir proclamer l'État d'Israël. C'était dans sa décision stratégique, faut-il proclamer l'État d'Israël à la fin du mandat britannique, il y avait l'idée qu'il ne pourrait pas le faire sans avoir l'appui des grandes puissances. Donc, quand le plan de partage a été accepté, a été décidé par l'ONU en novembre 1947, c'était une grande victoire diplomatique. Les Israéliens, les sionistes de l'époque l'acceptaient. C'était des scènes de liesse de partout, de Tel Aviv à Jérusalem. Et puis ensuite, oui, il y avait l'idée d'un partage. Cependant, en effet, dans les archives, dans les projets qu'avait Ben-Gourion, il y avait l'idée d'abord
de la nouvelle frontière. Juste un mot, il y a eu aussi la guerre entre-temps. Mm-hmm. Et cette guerre a permis à Israël d'agrandir énormément le territoire. C'est ce que je disais, est-ce que c'était des contingences liées à des conflits qui l'ont permis l'agrandissement, ou est-ce qu'au départ, il y avait une idée justement de vouloir cet agrandissement à tout prix ? Peut-être pas, je ne pense pas à tout prix, parce qu'ils s'accordaient par exemple sur le fait de laisser Jérusalem avant. Mais ensuite, oui, avec la guerre, le partage donc, a changé, et les Israéliens ont pu agrandir leur territoire. Il y avait l'idée donc, de cette nouvelle frontière, d'aller dans le Negev jusqu'à Aqaba. Ben Gourion avait l'idée de prendre aussi Gaza. On va en parler plus tard. Et Ben Gourion, dans ses plans, par exemple, qu'il présentera aux Français lors des accords secrets de Sèvres, Ben Gourion aura un plan dont il dira qu'il est absolument fantasque. Effectivement, il leur dira il faut que la Jordanie se sépare en deux. D'un côté, la Cisjordanie nous revienne, que l'autre côté, derrière le Jourdain, reviennent à l'Irak. Israël doit s'agrandir, prendre le Sinaï, Gaza. Et dans de nombreux plans qu'il a en 1955 et en 1956, il y a l'idée d'avoir Gaza et d'accéder à une plus grande profondeur stratégique, Gaza, le Sinaï. Alors, le problème des grands hommes, c'est qu'ils en rencontrent d'autres, des grands hommes, et en face de lui va se dresser le colonel Nasser. On écoute l'archève suivante et la question de la nationalisation du canal de Suez. C'est la foule grave des jours de tension internationale qui accueillait M. Selwyn Lloyd, ministre des Affaires étrangères britannique, et M. Murphy, représentant les États-Unis. M. Pinault les rejoignait à son tour à Downing Street pour examiner les mesures à prendre devant le coup de force accompli par le général Nasser. Le canal de Suez, la route internationale de l'Orient ouverte par Ferdinand de Lesseps, a pris soudain la vedette internationale. Voici à peine deux ans, Nasser et le représentant de la Grande-Bretagne, en signant l'évacuation de Suez, avaient garanti le régime du canal jusqu'au terme du mandat fixé à 1968. Devant une foule en délire comme à chacune de ses apparitions publiques, Nasser a prononcé la nationalisation du canal par une décision unilatérale au mépris de tout droit et de toute légalité. Par ce coup de force qui en rappelle d'autres, Nasser cherche-t-il une issue au dessein des dictateurs ? Alors, déjà, on peut dire d'une chose, c'est que les actualités françaises étaient vraiment françaises, c'est-à-dire elles étaient véritablement du côté d'Israël. À ce moment-là, on entend bien ce coup de force qui en rappelle d'autres. Et déjà, derrière la figure de Nasser, se profile la figure d'un nouvel Hitler que, d'ailleurs, Ben Gourion n'hésitera pas, d'ailleurs, à brandir lui-même dans des discours. Donc, cette nationalisation du canal de Suez était attendue, imaginée, ou c'était un véritable coup de tonnerre dans le Proche-Orient de l'époque ? Non, c'était un vrai coup de tonnerre. C'était prononcé dans un grand rire de Nasser. C'était un coup de tonnerre en Israël, un coup de tonnerre dans les chancelleries occidentales. On ne s'y attendait pas. Nasser incarne déjà une figure diabolique. Dès novembre 1955, quand Ben Gourion décide de revenir aux affaires, il le fait en grande partie pour mener à bien une politique activiste. Agressive, on peut dire. Complètement agressive. C'est-à-dire qu'il, depuis 1954, depuis que Nasser est revenu au pouvoir, est arrivé au pouvoir, il y a énormément de raids de fédaïne en Israël. Et ces raids de fédaïne, au début, il y avait des incursions en Israël. C'était des Palestiniens qui revenaient dans leur terre, qui retrouvaient leur terre, qui revenaient prendre leurs biens, qui se prêtaient des menus larcins. Et à partir de 1954, avec Nasser, il y a vraiment une implication des services de sécurité égyptiens. Et ce sont donc des raids de fédaïne contre des civils israéliens. Il y a un débat au sein du gouvernement israélien très intéressant. D'un côté, les modérés qui disent qu'il ne faut pas riposter à chaque attaque.
les attaques, ce sont donc... Et qui sont les modérés, par exemple? Les modérés, c'est par exemple son ministre des Affaires étrangères, Moshe Charet, qui est très légaliste, qui est un diplomate, qui se soucie des réactions internationales, qui craint les contestations aux Nations Unies. Ben-Gurion n'en a rien à faire. Et d'où vient cette assurance et cette volonté, enfin, de la possibilité de recours à la violence chez Ben-Gurion? Parce que, on l'a dit, le petit personnage un peu rond avec ses cheveux, on se dit, ça ne ressemble pas à un personnage violent comme ça, mais qu'est-ce qui justifie ce recours à la violence chez lui, cette capacité à accepter la violence politique en l'occurrence? Oui. Déjà, la violence, oui, fait partie de l'édification un petit peu de son idéologie ou de l'idéologie, beaucoup moins que par exemple que Jabotinsky ou que Menachem Begin. Menachem Begin, c'est le leader de la droite révisionniste qui a utilisé des méthodes terroristes. Il a été leader ou membre de l'Irgun. De l'Irgun, voilà. Et qui, lui, usait de méthodes terroristes. L'attentat, par exemple, contre l'hôtel King David. C'était Menachem Begin. Ben-Gurion, lui, n'a pas ce même rapport à la violence, mais... Il la couvre, il l'imagine possible. Mais la violence est justifiée quand il demande un soulèvement, par exemple, contre la puissance mandataire, contre les Britanniques, un soulèvement nécessaire, salvateur. Ici, il y a aussi l'idée contre les incursions arabes qu'il ne faut rien laisser passer. C'est la politique de... Un œil pour œil, dent pour dent, voilà, ouais. C'est ça. Il y a l'idée, il ne faut pas se cacher, il y a aussi l'idée en sous-main, un peu détestable, que les Arabes ne connaissent que la force. Oui. Et qu'ils ne comprennent que la force. Il y a cette dimension, vous voulez dire, quasiment, oui, c'est ça, de mépris. Exactement, les Arabes ne comprennent que la force, ils refusent l'existence même de l'État d'Israël, on ne peut pas les laisser faire la moindre action, et il faut réagir à n'importe quelle attaque, c'est-à-dire une attaque, un attentat contre des forces militaires, ou bien sûr un attentat contre des civils. Mais il faut bien mesurer ça, c'est-à-dire qu'un attentat contre des civils, il y a la perte de civils israéliens, Ben-Gurion va vraiment prendre les grands moyens, utiliser les grands moyens. Oui, c'est-à-dire qu'il rétorque avec deux fois plus de force. Avec deux fois plus de force, avec des raids, c'est toujours le même modus operandi, ce sont des raids nocturnes qui sont faits avec l'unité 101, c'est l'unité de choc d'Ariel Sharon. Ce sont des raids nocturnes dans les villages arabes ou bien contre des QG. En l'occurrence, par exemple, le QG des forces égyptiennes à Gaza. C'est une opération énorme que Ben-Gurion a menée dès son retour aux affaires comme ministre de la Défense en février 1955. C'est l'opération Flèche Noire. Il y a eu un attentat contre des civils. Et Ben-Gurion donc a répliqué. Il y a eu près de 60 morts à Gaza, des morts militaires. Et c'est ce qui décide Nasser à engager en fait à engager l'escalade. Des historiens se sont penchés, bien sûr, il y a énormément de discussions. Est-ce que cette violence était légitime? Alors, il y a la question de la légitimité, mais est-ce qu'elle était productive déjà? Oui. Est-ce qu'elle était productive? Oui. Et il y a par exemple un historien, Wischleim, qui explique que cette violence dont a usé Ben-Gurion a précipité l'escalade. Et on est dans un dilemme de sécurité incroyable qui fait que Nasser réplique, Ben-Gurion ensuite répliquera à chacune des attaques. On est dans des attaques systématiques, on est dans un cycle de violence. Et en fait, ce qu'on a vu donc, la nationalisation du canal de Suez, pour les Israéliens, c'est un acte de violence. Il y aura aussi le blocus de Tiran. Pour eux, c'est de la violence. Alors, à l'occasion de cette affaire égyptienne, comme le titre les actualités françaises de l'époque, nous sommes en novembre 1956, eh bien, une sorte de résumé fait par ces actualités françaises de cette question du canal de Suez et de ses conséquences. On écoute. Yeah.
l'Assemblée nationale, au cours d'une séance de nuit historique, le président Guy Mollet a annoncé avec gravité que la France et l'Angleterre avaient adressé à Israël et à l'Égypte une mise en demeure d'arrêter les hostilités et de laisser leurs propres forces protéger le canal de Suez. C'est une compacte majorité qui a approuvé le geste du gouvernement. Cette décision venait d'être prise dans une atmosphère fiévreuse à Londres, où le président du Conseil était allé conférer avec M. Anthony Eden à l'annonce de l'ouverture des hostilités israélo-égyptiennes. Aussitôt, plusieurs ports britanniques voyaient partir de nouvelles troupes à destination de Chypre, devenue base des opérations franco-anglaises. Et dans le port d'Alger, plusieurs navires de bataille, dont le Jean Bart, cuirassé de 35 000 tonnes, embarquaient de nouvelles formations de toutes armes. Le geste franco-britannique, motivé par l'urgence de la décision, s'accomplissait dans le but de sauvegarder les intérêts de toutes les nations préoccupées par la libre circulation dans le canal. Mais à New York, l'Égypte alertait l'Organisation des Nations Unies. Au cours d'une session extraordinaire décidée par le Conseil de sécurité et où s'unissaient, fait inouï dans les annales, les voix de l'URSS et des USA, l'Assemblée générale condamnait l'action franco-britannique sans tenir compte de ce que l'Égypte, par ses agressions et provocations multipliées, était la vraie responsable. Yes, Belgium, abstain. En conséquence, queda aprobado el proyecto de acuerdo de Estados Unidos d'Amérique. Le Canada, cependant, proposait la création d'une force de police internationale comme seule décision efficace. Aux frontières israélo-égyptiennes, les choses avaient pris une rapide accélération. Les images en rappelaient celles des combats de 1948, où les Égyptiens n'avaient pas fait si bonne figure. Dès les premiers jours, les troupes israéliennes entrées à la première heure en territoire égyptien avaient bousculé les forces de l'adversaire et se déployaient à travers toute la péninsule du Sinaï, avec un succès qu'autorisait une défense égyptienne plus riche de promesses que d'efficacité. En Méditerranée, devant Haïfa, un destroyer égyptien envoyé pour bombarder la ville avait rapidement été pris en chasse et s'était rendu presque sans combat. Sur terre, l'offensive israélienne fonçait à travers le désert du Sinaï en direction du canal. Sauf sur quelques points, la résistance égyptienne n'offrait pas d'efficacité véritable. Dès les premiers engagements, l'armée israélienne avait manifesté une supériorité écrasante. Et dans le désert du Sinaï, les traces des combats marquaient de cadavres et de chars abandonnés les reculs successifs de l'armée du colonel Nasser. La route de Gaza et celle d'El Arish restent encore aujourd'hui jalonnées de ces sinistres vestiges. La ville de Gaza, naguère repère des commandos de Fellahien, tombait après avoir été encerclée. Et les troupes israéliennes, après un rapide contrôle de la population, rassemblaient un butin de guerre considérable où figurent, disent les communiqués, une centaine de chars. La défense égyptienne dans la péninsule s'effondrait. Nasser même rappelait ses troupes en désordre de l'autre côté du canal pendant qu'Israël affirmait sa victoire. Mais le problème du Moyen-Orient attend encore sa solution. Voilà une conclusion qui pourrait être faite encore aujourd'hui. Le problème du Moyen-Orient attend encore sa solution. On est en 1956, Frédéric Chilot. Moi, il y a quelque chose qui m'épate toujours. C'est quoi cet amour franco-israélien du milieu des années 50 ce gouvernement Guy Mollet, qui par ailleurs va déclencher encore plus les hostilités en Algérie, qui est aussi favorable, si favorable même, à l'Israël dirigé par Ben Gurion, qu'on va lui fournir ou l'aider à lui fournir la bombe, en l'occurrence. Oui, c'est vrai. Il y a une relation sentimentale avec Israël. Mais qui tient à quoi, justement? Alors, il y a beaucoup de culpabilité de la Shoah, de la Seconde Guerre mondiale. Il y a aussi l'esprit de la résistance. La Seconde Guerre mondiale s'évoque aussi une fraternité d'armes
avec les résistants français autour de Guy Mollet, Bourgès Monory par exemple, Pinault aussi. Et l'idée, qu'Israël est un bastion de la démocratie et au Moyen-Orient, socialisme. Du socialisme. Il y a aussi ce rapprochement partisan entre les socialistes français radicaux et puis l'idéal sioniste-socialiste. Il y a l'idée également que ces socialistes israéliens, ils travaillent la terre, ils colonisent la terre dans le bon sens du terme, mais ça renvoie bien sûr à l'Algérie française. Et c'est donc la défense aussi de l'Algérie qui est là-dedans, la défense de l'Empire et de la présence française en Méditerranée. Il y a ce sentimentalisme français. Mais est-ce qu'il y a du réalisme aussi? Parce que tout de même, ça n'est pas que du sentimentalisme qui pousse la France à aider Israël dans ce moment un peu particulier. Tout ça, ce sentimentalisme, c'est la forme. Et à l'époque où les relations sont des relations directes, des relations amicales, des relations qui se font en coulisses, parce que le Quai d'Orsay, à l'époque, est contre le rapprochement avec Israël. Donc il faut... C'est-à-dire que le Quai d'Orsay est contre, mais la présidence du Conseil est pour. Et le ministère de la Défense organise en coulisses le rapprochement avec Israël contre l'avis du Quai d'Orsay. Il se place une diplomatie en uniforme, en fait, où tout va être mis en place en vue de la guerre, et puis une diplomatie du secret. Alors justement, ces accords secrets, quels sont-ils entre la France et Israël de l'époque ? Donc ce sentimentalisme, il est important, mais le réalisme et les aspects stratégiques sont primordiaux, parce que pour les Français... l'alliance avec Israël, donc, elle n'est pas naturelle. Elle se fait contre l'avis du Quai d'Orsay, contre la politique traditionnelle de la France en Syrie, au Liban à l'époque. Et les Français forcent leur politique traditionnelle. Ils voient dans le rapprochement avec Israël un intérêt évident, c'est l'Algérie. Parce que les Israéliens se battent contre Nasser et... Les Français, en fait, font l'analogie entre ces raids et cette opposition directe des Israéliens contre Nasser et la guerre que les Français mènent contre les Algériens, contre les... Le Caire n'est pas encore la capitale de ce qui sera l'armée de libération nationale ou le FLN, ça n'est pas encore le cas, ça va le devenir assez rapidement. Mais il y a cette idée qu'effectivement... Nasser soutient ou pourrait soutenir les mouvements de libération un peu partout dans le monde arabe et donc évidemment soutenir ceux qui vont demander la libération pour le territoire qui est territoire encore français à l'époque, c'est ça ? Les Français en sont persuadés. La capitale du FLN est au Caire. Et ils sont persuadés que Nasser donne de l'argent, des armes, et qu'il a également qu'il instruit des troupes en Égypte. Et donc, pendant ces quelques années de ce gouvernement de la 4e République, avant l'arrivée du général de Gaulle, qui changera de façon assez significative de position assez rapidement, ce sont des années où on va véritablement donner des secrets, donner de l'argent, donner des moyens, donner des scientifiques, par exemple, pour créer la bombe nucléaire. Exactement. C'est une coopération scientifique, une coopération faite sur des renseignements militaires. Dès le printemps 1956, les Français décident d'une grande opération secrète. Il y a une conférence qui se fait à Saint-Germain. Et des échanges de renseignements sont organisés. On se prépare peut-être à une grande opération militaire, peut-être une guerre préventive israélienne que les Français sont prêts à parrainer. Il y a même des échanges de renseignements pour, par exemple, contrecarrer la propagande nasserienne, mais au-delà, pour frapper des bases de Fedaïn et les aides égyptiennes au FLN. Mais cette opération cette coopération est absolument secrète, même en dehors donc, du Quai d'Orsay. Ah oui, c'est-à-dire que le Quai d'Orsay
n'est même pas au courant. Le Codersen n'est pas au courant de ce qui se trame dans leur dos dans la politique française vis-à-vis d'Israël. La grande conférence qui prépare la guerre de Suez, c'est donc à Sèvres en octobre 1956, et tout cela se fait dans la discrétion la plus totale. Ben Gourion est accueilli dans un aéroport en catimini. Christian Pinault, qui est le ministre des Affaires étrangères, le seul à être au courant au Quai d'Orsay, se rend au rendez-vous dans sa DS privée. Il va faire attention à ne pas être suivi. On est vraiment dans l'esprit du secret. Et d'ailleurs, ils adorent ça parce qu'ils ont l'impression de revivre un petit peu cet esprit de la résistance. Personne n'est avisé. Même en Israël, les représentants français en Israël ne seront pas au courant de cette collision. Alors tout de même, c'est un prix très lourd. L'humiliation franco-britannique dans cette affaire du canal de Suez est terrible. Et tout compte fait, ceux qui s'en tirent bien, ce sont les Israéliens. Les Français et les Britanniques sont assez durement touchés. Les alliés supposés américains les lâchent en plein chemin, pourrait-on dire. Mais Israël s'en tire bien. Oui, on a vu là dans cet extrait donc, qu'il y avait une opposition unanime au Conseil de sécurité, que les États-Unis et l'URSS votaient contre cette opération. Les Israéliens s'en sortent bien, mais ils ont eu un très mauvais rôle. Et c'est ce qui a fait douter Ben Gourion pendant très longtemps. Parce que font les Israéliens pendant la guerre du Kippour, pendant la guerre de Suez? Que font-ils en fait? Ils servent de prétexte. Et ils servent de prétexte utile aux Français et aux Britanniques pour intervenir sur le canal, rétablir une présence sur le canal et empêcher donc le Nasser, peut-être même le renverser et s'y établir. C'est peut-être l'ambition d'Eden en Angleterre. Mais que font les Israéliens? Ils servent donc aux Franco-Britanniques. De prétexte. De prétexte. Oui, mais ils gagnent du territoire. Ils gagnent du territoire. Mais oui, c'est vrai. Mais Ben Gourion était d'abord humilié d'avoir à endosser ce rôle. Et c'est pourquoi il a demandé beaucoup à Sèvres. Il a demandé à ce que les Français le soutiennent, avec un soutien militaire, un soutien aérien qui restera secret. Qui durera jusqu'à quand ? Bien après, d'ailleurs, Sèvres, les Français seront, après Suez aussi, les Français seront toujours là. En 1957, les Français aideront toujours les Israéliens. Ils sont établis dans les bases. Il y a une coopération vraiment assez longue. Mais Ben Gourion, pour endosser ce rôle de prétexte, eh bien, il a demandé, oui, effectivement, beaucoup plus. Et il a demandé un accord nucléaire à ce que les Français fournissent une centrale à Dimona. Alors une centrale, puis ensuite il y aura la question de du fractionnement du plutonium et d'une usine pour pouvoir fractionner le plutonium et des discussions qui vont durer assez longuement. Alors certains journalistes prétendent qu'effectivement De Gaulle a eu une conversation avec Ben Gourion, vous me disiez avant qu'on n'en était pas sûr après l'arrivée de Gaulle au pouvoir en 1960 et une discussion qui aurait été assez orageuse, etc. Toujours dit que ça continuera et que finalement la bombe existera d'une certaine façon. Les Israéliens ont mené le travail, même si les Français, oui, même Bourgès Mounouri en 57 veut revenir un petit peu là-dessus et ne pas permettre à Israël d'acquérir la bombe atomique, c'était du nucléaire civil. Alors on a vu le moment où dans ce maelstrom qui était l'affaire de Suez, eh bien Israël gagne Gaza, mais des grosses décisions internationales vont obliger progressivement Ben Gourion a cédé à ses pressions internationales. On regarde une archive de 1957, on est en mars 1957, et Israël doit quitter Gaza et Sharm el-Sheikh. La 6. Le problème de Gaza et de Sharm el-Sheikh avait précipité Israël dans une fièvre qui menaça d'emporter son gouvernement. À Jérusalem, des manifestations d'envergure protestaient avec violence contre l'abandon de ces deux points jugés vitaux pour l'existence même de l'État juif. Tous les regards fixés sur lui, Israël, sous la pression de l'ONU, se débattait dans les affres d'une crise dramatique. Enfin, le président Ben Gourion, au cours des heures poignantes d'un conseil des ministres qui dura une journée, prenait la décision de céder à l'ONU.
À New York, devant l'aréopage des nations, son ministre des Affaires étrangères, Mme Golda Meir, annonçait d'une voix enrouée par l'émotion la décision d'évacuer. Quelques jours après, en présence des premières troupes de l'ONU arrivées dans la nuit, les forces israéliennes quittaient Gaza. Elles s'y étaient installées dès les premiers jours de l'offensive qui devait les conduire dans une marche victorieuse de 4 jours jusqu'aux abords du canal de Suez où les arrêta l'injonction de l'ONU. Israël a donc maintenant, pour obéir à la loi internationale, abandonné tous les gages qu'il détenait, Gaza et Sharm el-Sheikh. C'est donc à l'ONU de faire respecter ses droits à la vie que lui nie la radio du Caire. Or, la force internationale a dû, dès son arrivée, réprimer une manifestation. Et derrière la barrière des 700 soldats de l'ONU, Israël attend les fruits de son renoncement. Pas la peine de savoir que la France défend Israël, parce qu'un tel commentaire, les droits à la vie que lui nie la radio du Caire, c'est assez clair, Frédéric Chillot. Ces discussions interminables qui sont décrites très brièvement en disant une journée entière de Conseil des ministres pour pouvoir discuter de savoir s'il faut quitter Gaza et Sharm el-Sheikh, ça montre que tout le monde n'est pas d'accord dans le gouvernement israélien dirigé par Ben Gurion sur les positions à tenir. Ah oui, le gouvernement est totalement divisé et les Israéliens voulaient absolument rester à Sharm el-Sheikh. C'est une donc à la fois pour obtenir une profondeur stratégique, être prêt en cas de troisième round, puisque pour Ben Gurion, Nasser est un nouvel Hitler et il a toujours dit qu'il se préparait à un nouveau round. Et les Israéliens ne pensent pas que l'ONU va garantir un Sinaï démilitarisé. Il y a d'ailleurs des discussions très fortes avec le secrétaire général de l'ONU dans ces années-là, M. Amar Skjold, qui n'est pas toujours d'accord, loin de là, avec ces positions du gouvernement israélien. Oui, et les Israéliens veulent absolument rester dans le Sinaï parce qu'ils savent que aussitôt qu'ils en seront partis, eh bien, Nasser il remettra ses troupes. Et si ce n'est pas Nasser, ça sera plus tard. Ou ce sera plus tard. Sa date. Voilà, et de nouveau, ce sera une nouvelle ligne de front, en fait, entre l'Égypte et Israël. Alors, on voit combien le gouvernement d'Israël est divisé dans ces années-là. Comment Ben Gurion fait-il politiquement pour maintenir, pour avoir ce ciment, alors que là, justement, il est, pourrait-on dire de façon vulgaire, les mains dans le cambouis. Il n'est plus le père de la nation que vous avez décrit tout à l'heure, Frédéric Chillot. Il est maintenant quelqu'un qui doit assumer des positions quotidiennes de la politique, voire, entre guillemets, peut-être parfois, de la politique aérie. Oui, c'est exactement ça. C'est ce qu'il détestait, en fait, parce que Ben Gurion disait qu'il y avait deux sortes de décisions. La décision sublime, historique, grandiose. C'était presque esthétique, vous voulez dire, que sa vision de ce qu'était la politique. Oui, en tout cas, après qu'il soit revenu au pouvoir, vraiment, tout a changé. Quand il est revenu aux affaires en 1955, il était adulé, il avait tout fait. Et aujourd'hui, le voilà obligé, oui, de faire marche arrière. Et là, c'est une situation, pas d'humiliation, mais en tout cas, c'est un échec pour lui de devoir céder du terrain, de devoir rendre Gaza, alors qu'il a voulu, dans ses plans, dans tous ses plans, même les plus, surtout les plus fantasques, s'établir à Gaza, s'établir dans le Sinaï, agrandir, oui, le territoire. Et donc, il doit maintenant assumer cet échec. Comment se comporte-t-il et quel rapport a-t-il avec les religieux israéliens dans ces années-là? On sait que, par rapport à la religion, il était un peu particulier, Ben Gurion. Est-ce qu'il passe des accords? Comment fait-il le ciment entre laïcs et religieux dans cet Israël nouveau? Alors, il est très respectueux des religieux. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, par exemple, Israël n'a pas de constitution. Parce que les religieux ne voulaient pas qu'il y ait une loi qui puisse être supérieure à la loi de la Torah. Et il est respectueux, mais les religieux, à cette époque, n'ont pas le poids qu'ils ont aujourd'hui. Et d'ailleurs, les mesures qu'il a prises à l'époque, aujourd'hui, se retournent parce que les religieux sont beaucoup plus importants et ils ont explosé de manière dans la démographie israélienne.
À l'époque. Et ils ont explosé aussi une partie du camp laïque qui pouvait être représenté par Ben Gourion et certains de ceux qui étaient autour de lui. Lui était absolument laïque. Son père, on l'a dit au début, était le premier juif de sa ville à quitter l'habit traditionnel. Ben Gourion était très intéressé par la spiritualité. Sa bibliothèque à Sdebocker, il y a plus de 10 000 ouvrages. Il y a beaucoup d'ouvrages de philosophie, d'ouvrages de spiritualité bouddhiste, les sciences orientales. Mais il était fasciné par la Bible et la Torah. Mais il n'avait pas une pratique religieuse, c'était un laïc. C'est vraiment, Ben Gourion, c'est le sioniste socialiste de ces années 50. Et après, après lui, on passe à un autre cycle. Ben Gourion, c'est aussi, oui, cette violence, cette autorité. Et après Suez, ça devient vraiment de l'autoritarisme. C'est-à-dire il imprime sa marque, il est moins respecté pour les décisions qu'il prend, et donc les échecs qui s'accumulent font qu'il a beaucoup moins d'assises. La politique politicienne aussi lui réussit peu. Ce sont toujours des gouvernements de coalition qui manquent toujours de tomber. Et oui, comme vous le disiez, les mains dans le cambouis. Et dans ce cas, il imprime sa marque de façon très, très dure, très autoritaire. Une affaire célèbre, c'est l'affaire Lavonne. Ah oui, il faut le raconter. L'affaire du ministre de la Défense, en 54. Et vraiment, Ben Gourion va s'acharner contre lui. C'était une affaire d'espionnage. C'est une affaire d'espionnage. C'est une affaire qui nourrirait toutes les théories conspirationnistes aujourd'hui, parce qu'en fait, les Israéliens, Lavon et sans doute plutôt le chef des renseignements militaires, Laman, ont décidé pour que les Franco-Britanniques ne quittent pas le canal, que les Britanniques ne partent pas de la zone du canal et que les Occidentaux restent toujours proches d'Israël. Ils ont décidé d'attaquer des intérêts occidentaux en Égypte. Et donc, il y a eu une série d'attentats en 1954. C'est une sorte de stratégie de la tension, pourrait-on dire, pour pouvoir justement faire monter le niveau de tension. Exactement. Et demander une réplique de l'autre côté. Donc, une série d'attentats contre des cafés, des cinémas, l'université américaine au Caire. Et en fait, il se trouve que c'était des espions israéliens qui l'avaient mené. Et donc, effectivement, dans ce contexte-là, Ben Gourion les lâche, justement. Ben Gourion va ensuite lâcher Lavon. Et dans cette guerre qui oppose Lavon, le ministre de la Défense, au chef des renseignements, qui va endosser la responsabilité ? On apprend qu'on a beaucoup accusé à tort Lavon, et Ben Gourion va complètement le lâcher. Et ses amis seront offusqués de la façon dont il va traiter son ancien proche, celui qu'il avait mis en place, c'était vraiment la jeune garde. On les appelait les jeunes turcs de Ben Gourion. Et Ben Gourion l'humilie, le piétine. Et c'est à ce moment que cette figure de l'autorité se transforme en figure de l'autoritarisme. Exactement, ça devient de l'autoritarisme. Et à la fin de sa vie, après la guerre de Suez, il y a vraiment l'idée d'un Ben Gourion dur, qui a trop de pouvoir, beaucoup trop longtemps. Il est au pouvoir depuis 1933. Oui. Parce que depuis 1933, il a la tête du Yishuv, c'est-à-dire le foyer juif en Palestine. Depuis 1933, ensuite 48, Premier ministre. Là, il est revenu pour mener cette guerre. Et ça devient, certains le disent, une dictature. Et parmi les tâches, peut-être dans la carrière de Ben Gourion, il y en a sûrement d'autres que nous n'avons pas encore évoquées. En tout cas, il y en a une, c'est la question du rapport entre
juifs ashkénazes et juifs séfarades. Un reportage assez étonnant, produit et réalisé par Maurice Sevno dans la télévision de 1962. Nous sommes après les accords d'Évian, nous sommes après donc, la fin de la guerre d'Algérie. Et ce reportage s'appelle « Une terre qui leur est promise » et s'intéresse à ceux qui quittent l'Afrique du Nord pour pouvoir gagner Israël. Et une des étapes de leur trajet, c'est Marseille. Quand j'ai vu un drapeau juif, là, j'ai dit, voilà, peut-être je suis en Israël. J'ai dit, parce que j'ai jamais vu de drapeau juif, là. Parce qu'au Maroc, on n'a jamais de drapeau juif. Jamais. Ce drapeau juif, ils le voient pour la première fois à Marseille. Ils arrivent d'Alger, de Tunis ou du Caire, et en attendant leur embarquement pour Israël, ils vivent ici, dans ce camp. Ce n'est pas encore la terre promise, c'est déjà l'espoir, ce n'est plus l'angoisse ni la terreur. Eux, ce sont les membres de la diaspora, de la dispersion, qui vont se rassembler pour qu'ils soient faits selon les Écritures. J'étais endormie, mais mon père il m'a réveillée, il m'a dit « Lève-toi, habille-toi ». Je me suis habillée, et puis quand je lui ai dit « Où on s'en va, papa ?», il m'a dit « On s'en va en Israël ». Elle dit « Ah oui, c'est Israël, c'est le pays de Yitzhak et Yaakov. Yitzhak, Abraham, Yitzhak et Yaakov. » Après avoir voyagé entre l'Afrique du Nord et la France dans des conditions difficiles, ils embarquent enfin sur un vrai bateau. Et pendant quelques jours, dans cette période d'attente, ils peuvent à loisir se préparer comme on se prépare pour les grandes, les très grandes circonstances. Que feront-ils en arrivant? Quelle vie les attend? Ils y pensent à peine. Ils embrasseront la terre promise. Pour eux, l'heure du choix est venue. Ah, je crois que c'est définitif, hein, parce que le retour est trop. Le départ a été trop dur, et le retour, je pense pas. À moins que je sois vraiment, vraiment déçu, et je ne crois pas. Peut-être que le... Vous étiez à Oran? Alger même. Alger. Et c'était plus possible pour vous? Comme tout le monde. Comme tout le monde. Enfin, on n'a pas fait une question politique, mais enfin, c'était devenu un peu intenable du fait que les derniers moments ont été très durs pour les Européens et surtout pour les jeunes. Vous n'êtes pas un cas typique des migrants, en fait? Absolument pas, absolument pas. Non, je crois que les migrants, moi, ça se situe surtout dans les Marocains, les Tunisiens, qui partent, eux, avec deux valises à la main, et qui n'ont rien à faire en France, et qui rejoignent Israël, parce que c'est leur véritable pays. Voilà. Quel âge a-t-il? 72 environ. Environ. C'est pas exactement le... Ça date de... Non, environ, environ, évidemment. Ouais. Qu'est-ce qu'il compte faire en Israël? Il va en Israël, compter à faire n'importe quoi, soit dans le monde, la maçonnerie, ou n'importe, ou l'agriculture, ou n'importe quoi. Il a son frère qui est là-bas, qui fait l'agriculture, il passe vivre avec son frère. Je vais directement dans un kibbutz. Et là-bas, j'apprendrai premièrement la langue hébraïque et ensuite j'apprendrai un autre métier. Qu'est-ce qu'il faisait au Maroc jusqu'ici? Côté tamoul. Travaille tapissier. Tapissier. Et en Israël, il espère faire quoi? Peut-être même en Israël, tu as un tapissier. Il pense que son métier, ça marche en Israël, il a des informations, il peut exercer son métier. Qu'est-ce qui les attend quand ils arrivent en Israël? Tout, parce que je crois que l'État israélien a fait énormément pour ce genre de personnes, même pour moi d'ailleurs, puisqu'on vous prend dans votre pays, par exemple parlant d'Alger, on vous prend d'Alger, on vous amène en Israël, sans sortir un sou, sans avoir à... On vous donne un appartement, on vous donne une situation qui est digne de vous-même, alors qu'il y a pas mal, il y a peu de pays dans le monde. Qui pousse l'immigration à ce point-là, voyez-vous. Il y a des possibilités de reclassement professionnel. Absolument. Tout est neuf, alors automatiquement, on a besoin de toutes les classes sociales. Il y a du travail pour tout le monde, sauf pour les fainéants, bien entendu, qui n'ont rien à faire dans ce pays-là.
Ce reportage est beaucoup plus long que cela, et d'ailleurs c'est très intéressant parce que c'est un reportage qui part un peu là aussi sur un ton un peu de propagande en faveur de l'arrivée des Juifs d'Afrique du Nord en Israël, et qui va progressivement, en accompagnant ces mêmes Juifs en Israël, puisque Maurice Semeneau est sur le bateau, montrer la difficulté qu'ils ont à s'intégrer. C'est une des tâches, je disais tout à l'heure, enfin en tout cas une des difficultés des gouvernements Ben Gourion, de savoir quoi faire avec ces Juifs, en particulier venant du monde arabe. Oui, c'est une grande fierté d'abord pour le gouvernement, c'est une grande fierté pour les autorités israéliennes d'accueillir les Juifs dispersés. Et vraiment, le retour, la montée vers Israël, l'Alia, c'est un des grands projets de Ben Gourion. Après 1948, il organise l'Alia de masse pendant la guerre. L'Alia de masse, oui, c'est ça. Oui. Avant, il organisait également d'autres montées et une immigration clandestine. On pourra en reparler avec l'Exodus, par exemple. Mais là, son grand projet dans les années 50, c'est l'Alia de masse. Et donc, elle vient beaucoup d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Alors, c'est une grande fierté, mais en fait, quand les Juifs arrivent en Israël, ça se passe autrement, parce que ce sont des séfarades. Et cette élite ashkénaze, Ben Gourion, c'est la Pologne, hein, c'est le type même de l'ashkénaze, et vraiment considère les Juifs séfarades comme des gens qui ne sont pas intellectuels, qui sont faits pour le travail manuel. Il y a vraiment un mépris de classe pour les séfarades. Et ils sont maltraités à leur arrivée. Ça, on le verra après, parce qu'il y a toute l'idée, pendant les années 50, tout se passe bien, il y a le melting pot, on oublie. Et il faut oublier, il ne faut pas se plaindre, parce que l'État se construit, il y a toutes les raisons pour que des choses ne soient pas parfaites. Mais aujourd'hui, on commence à en parler un peu plus. Et effectivement, les séfarades ont été très maltraités. On les mettait dans des... Dans des camps, déjà? Oui, dans des baraquements. Oui. Les Mahabarot, à Jérusalem ou dans d'autres villes, sont vraiment des baraquements assez mal propres. Et surtout, ils étaient déconsidérés socialement. Il y a des notes dans les archives où Ben Gourion veut quasiment faire des quotas pour prendre des Tunisiens, des Algériens, les Marocains un peu moins. Les Marocains, on le voit dans cet extrait, sont les plus sionistes. Et on le voit parce qu'ils ne parlent pas, ils parlent peu français. Beaucoup moins que les Tunisiens, que les Algériens, bien sûr, c'était un département français. Mais les Marocains étaient les plus proches d'Israël. Et donc, c'est une déception immense, c'est d'être à ce point maltraité quand on arrive en terre promise. Alors, comment va se terminer cette carrière de Ben Gourion, que vous nous avez décrite comme étant une carrière de gloire dans un premier temps, et puis peut-être de plus de difficultés? Il quitte le pouvoir au début des années 60. Et oui, il quitte le pouvoir au début des années 60. C'est l'affaire, en réalité, c'est cette affaire Lavon, qu'on appelait la sale affaire, qui réapparaît. Et on apprend qu'il y a eu des témoignages, notamment d'ailleurs le témoignage du commandant d'Exodus, qui est devenu un espion qui travaille avec le Mossad et qui témoigne, qui explique qu'il a vu circuler des papiers où on accusait faussement Pinhas Lavon, et qu'il y avait des faux papiers, des faux documents. Et Ben Gourion, lui, accuse Lavon. Il ne croit pas en autre version. L'autre version, c'est le fait que ces opérations d'espionnage aient été organisées uniquement par les services de renseignement militaires. Et donc, il accuse Lavon et il s'acharne sur lui. Et vraiment, on voit là, oui, c'est peut-être pas la dictature, j'ai employé le mot de dictature. Pour les historiens, aujourd'hui, les historiens disent que Ben Gourion n'était pas fait pour cette nouvelle démocratie qui arrivait, pour la politique
au jour le jour, cette politique qui, est, négocier. Qui est régulée, qui est négociée. Qui est tempérée par des institutions. Exactement, il ne supportait pas l'ONU. Il employait un petit peu comme De Gaulle parlait de l'ONU en disant le machin. Il disait « oum shboum », c'est vraiment, cette espèce de machin inutile. Il ne voulait pas s'en embarrasser. Pourquoi alors s'embarrasser d'une opposition? Pourquoi s'embarrasser de la Knesset? Et puis, il ne supporte pas la contradiction. Il a une telle, il pense avoir une telle emprise et il a une telle aura qu'il s'affirme et vraiment dans la froideur. Et de toute façon, cette génération de ces pionniers arrivés au tout début du XXe siècle sur la terre d'Israël en venant d'Europe centrale ou d'Europe orientale, c'est une génération qui va finir par s'effacer, puisque de nouvelles générations, nées plutôt avec 48, plutôt avec la première guerre et les guerres suivantes, vont prendre progressivement le relais. Et s'il y a encore peut-être une personnalité qui soit proche de ce Ben Gurion de l'époque, c'est, vous l'avez dit tout à l'heure, Shimon Peres, ça va durer un certain temps. Oui, Shimon Peres, c'est vraiment le dernier survivant. Il est toujours là aujourd'hui. Il représente cette élite ashkénaze. Shimon Peres, il est vraiment, c'est un personnage hors norme. Il était encore président de l'État il y a peu. C'est incroyable, il a un destin. Il a traversé le siècle et l'histoire. Mais après Ben Gurion, effectivement, on arrive à une autre génération. C'est la génération de l'État. Ce n'est plus le pionnier. C'est la génération de l'État qui se construit, de la démocratie. Puis cette génération des gens que vous avez vus, qui arrivaient, qui faisaient leur alia, et qui sont des séfarades, et qui vont vouloir prendre le pouvoir aussi, se sentir mieux représentés. Parce que Ben Gurion ne les représente pas. On a dit qu'il avait un certain mépris à leur égard, mais il ne les représente pas. Et cette élite socialiste, ashkénaze, qui est là depuis non seulement la création de l'État d'Israël, mais même avant, depuis la naissance du foyer juif, du Yishuv, eh bien, cette génération ne les représente plus. Et en fait, qui viendra les représenter, ce sera Begin. Begin en 77, Begin qui est la droite et qui est pourtant lui aussi un ashkénaze. Mais lui va représenter les classes moyennes et puis les séfarades. Il y aura véritablement un tournant dans l'histoire d'Israël après la guerre de 73. Un autre échec bien plus grave encore que ce qu'on a vu là, et les élites vont changer, il y aura vraiment un tournant majeur. Merci Frédéric Chilot. Je vais maintenant donner la parole à la salle qui a peut-être des questions, des éclaircissements, parce que on a en une heure un quart tracé un destin certes hors norme, mais on a oublié beaucoup de choses. Madame, vous voulez... Attendez, on va vous faire passer le micro. Voilà. Oui, madame. Merci pour cette conférence. Deux points qui m'interpellent. Vous dites que les institutions ont été construites après 1948. Moi, il me semblait qu'elles avaient déjà été construites, la banque, les banques, la Histadrout en particulier. Je crois que Ben Gurion a eu un rôle dans la Histadrout avec Golda Meir et la mise en place, entre autres, du nettoyage du travail, chasser les Arabes, que moi j'appelle palestiniens, du travail pour mettre en place le travail juif. La deuxième chose, Ben Gurion, vous avez dit la guerre a déclenché beaucoup de choses, les attaques des armées arabes. Il me semble que Deir Yassine était un peu avant les attaques des armées arabes. C'était avril 1948. Et ensuite, donc Ben Gurion, 53 jusqu'en 1953, Premier ministre. Pour moi, 1953, c'est la fin du nettoyage ethnique de ce qui devait être l'État d'Israël, l'État juif, qui avait une population quasiment égale, partagée entre juifs et non-juifs,
et qui, pour la réalisation du projet sioniste, devait se traduire par le nettoyage ethnique. Donc j'aimerais savoir quel rôle Ben Gurion a joué là-dedans, même si, du fait de l'anniversaire, vous avez choisi d'en parler à partir de 1957. Oui, merci. Effectivement, madame, on a passé cette période importante de 1948 à 1953, mais Frédéric Chillot est là pour vous répondre sur ces questions-là. Oui, quand on parle des institutions, de la création de l'État et la construction de l'État, effectivement, les institutions existaient avant la création de l'État d'Israël. Mais ensuite, il s'agit de construire l'État. C'est autre chose. Les institutions, de nombreuses institutions existaient avant mai 48, si bien que Ben Gurion d'ailleurs a écrit un ouvrage, Israël avant Israël, où il explique qu'Israël en fait existait bien avant l'Israël que l'on connaît du fait de ses institutions, au premier rang desquelles effectivement l'Istadrout. Il en était d'ailleurs l'un des présidents. Ben Gurion, il est bon de rappeler que c'est un syndicaliste aussi. C'est donc cette figure de sionisme socialiste et syndicaliste. Au moment où il était secrétaire, pas président, mais secrétaire général de la Istadrout, et ensuite il a pris part au Mapai avec la fusion de nombreux partis ouvriers. Et par exemple, pour le discours inaugural du Congrès mondial pour la Palestine sioniste en 1930, eh bien Ben Gurion parle de créer un État juif, une société ouvrière, on en a encore, il est très marxiste, très marqué par le marxiste, et puis une coopération judéo-arabe. On est encore là dans l'idée qu'une coopération est possible entre ouvriers juifs et arabes. Ensuite, vous parliez de Deir Yassine, c'est effectivement, en 1948, on parle beaucoup on discute beaucoup de la chronologie de la guerre. Et la première guerre israélo-arabe, et avant cela, la guerre judéo-arabe, a été énormément discutée. C'est un fait que les nouveaux historiens israéliens ont revu. Et on est passé depuis très longtemps déjà à autre chose que la vieille histoire officiel des pères fondateurs. Alors, effectivement, il y a une guerre avant l'invasion des armées arabes au soir de la proclamation de l'État d'Israël. Pour les nouveaux historiens et l'historiographie palestinienne, qui est assez peu établie d'ailleurs, trop peu établie, il commence cette guerre à Deir Yassine. En fait, en printemps 48. Pour les Israéliens, la première guerre israélo-arabe commence en fait au soir du plan de partage. Parce que en novembre 1947, l'ONU décide enfin de la création d'un État juif et un État arabe en Palestine mandataire. Et les Arabes refusent. Et à partir, dès le lendemain, il y a des scènes des attaques. Et c'est à partir de cette date-là que les Israéliens considèrent le début de la première guerre israélienne. Quel est le rôle justement qu'ont joué les nouveaux historiens israéliens, une véritable école historique, on peut dire tout de même, en Israël, qui a contesté justement le récit des pères fondateurs et qui, comme le disait madame, a fait reculer la date, pourrait-on dire, de l'entrée en guerre et même décrit des responsabilités qui venaient du côté des Israéliens plutôt que du côté des pays arabes ou des Palestiniens. Les nouveaux historiens ont aussi beaucoup travaillé sur Deir Yassine et ont mis en lumière le massacre de Deir Yassine, le massacre de ce village arabe à côté de Jérusalem. L'historiographie, cette nouvelle histoire israélienne est fascinante parce qu'en fait, c'est un conflit de génération. Ils sont arrivés, ils ont remis en cause l'histoire officielle, celle qu'on apprenait dans les écoles, celle que Ben Gurion voulait laisser, et en fait, qui participait de la construction de l'État. Il y avait l'idée d'un éthos pionnier, socialiste. Donc c'était une sorte de légende de création.
Exactement. Et il ne fallait pas que Der Yassin vienne perturber d'une certaine façon. Il ne fallait pas que des actes de type de Der Yassin viennent entacher, pourrait-on dire, ce moment de naissance de l'État d'Israël. Oui, c'était l'histoire officielle, l'histoire vraiment pro-gouvernementale. Et les historiens, en fait, écrivaient ce que Ben-Gurion et le gouvernement avaient indiqué. Ah oui, c'est ça. Ce qui est intéressant, c'est que, et puis c'était des historiens aussi à l'époque, beaucoup de militaires. C'est-à-dire, ils avaient accès aux archives parce qu'ils étaient engagés au poste de responsabilité, ils étaient dans l'état-major. Alors, quand les nouveaux historiens sont arrivés, c'était une nouvelle génération, je l'ai dit. C'était aussi une nouvelle méthodologie d'aller dans les archives. Il y avait l'ouverture des archives. De travailler avec l'histoire orale, peut-être aussi en même temps. Beaucoup sur les témoignages. Alors, c'est ce qui leur a été reproché aussi. C'est un motif simple, vous me direz. Mais beaucoup a été fait. Il faut quand même noter ça, que, par exemple, parmi ces grands historiens qui ont remis en cause l'histoire ancienne, qui ont parlé de Der Yassin, par exemple Benny Morris, oui. Qui a parlé... Était traduit il y a une dizaine d'années en France. Oui, qui a parlé du plan d'Alet, qui a mis au jour Der Yassin, d'autres opérations, qui a discuté la question de savoir si les Arabes étaient partis d'eux-mêmes, comme vous voulez le dire, ou bien s'ils avaient été incités, expulsés, les Palestiniens. Bon, tout de même, aujourd'hui, c'est amusant de constater que Benny Morris a complètement changé de camp et aujourd'hui fait partie plutôt de la droite israélienne. C'est vrai ? Très dur, oui, très dur. Et ça a changé il y a longtemps, parce que moi j'étais resté sur la première vision. Après, bon, c'est autre chose, c'est-à-dire que tous ces nouveaux historiens aussi sont arrivés dans une période de l'histoire où il y avait une coopération, on était dans Oslo. Mmh. Oui, donc on a été dans un espoir de paix, de rapprochement, dans un espoir de paix. Vous voulez dire que les historiens travaillent dans le contexte dans lequel ils se trouvent politiquement. Ils étaient beaucoup influencés. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, le contexte s'est endurci, certains historiens sont après, plus durs. Après la seconde intifada, les historiens qui étaient devenus des figures intellectuelles, qui sont des figures intellectuelles en Israël, les historiens écrivent d'abord des articles dans les journaux, dans les grands quotidiens, et puis après publient leurs ouvrages. Des historiens comme Benny Morris sont passés de l'autre côté parce qu'ils ont considéré qu'après la seconde intifada, le dialogue n'était plus possible. Et finalement, sans remettre en cause leur thèse. Ah oui, c'est ça, ils ne sont pas revenus sur ce qu'ils avaient écrit tout de même. Non. Ah d'accord. Mais Benny Morris n'est pas un représentant de la gauche aujourd'hui. Monsieur. Monsieur, allez-y. Merci. À moins que ma mémoire ne me fasse défaut. Je suis beaucoup plus vieux que vous, madame. Comment le contexte international à cette époque-là, malgré la guerre froide, était très chaud. Certes, il y avait ces problèmes du Moyen-Orient, mais il y avait d'autres problèmes, entre autres, qui étaient tout à fait concomitants. C'est l'écrasement de la révolte hongroise par les troupes de l'URSS. Comment 1956. 56, c'est ça. Comment peut-on... Est-ce qu'il y a un lien entre, disons, ces affaires-là ? Oui, vous parlez d'un grand jeu diplomatique qui serait beaucoup plus large que le simple Proche-Orient. Tout à fait. Parce que l'URSS avait quand même un rôle important à ce moment-là. En tout cas, l'opération de Suez et l'intervention franco-britannique pour... Après le prétexte israélien, les Israéliens donc interviennent en Égypte et les franco-britanniques portent secours, enfin viennent rétablir le calme. Il y a eu une telle surprise, une telle publicité faite autour de cela. Le monde entier était braqué sur l'Égypte, sur Suez et Port Saïd. Aux Nations Unies, on ne parlait que de ça. Et bien du coup, on n'a pas entendu ou peu entendu parler de Prague, oui. De Budapest, pardon. Bonsoir et merci. Vous nous avez parlé du plan d'Alet tout à l'heure. Pouvez-vous nous dire des responsabilités de Ben-Gurion dans le plan d'Alet et également dans la politique des nationalités mise au point en Israël ? Parce que vous savez qu'on fait la distinction
entre juifs, arabes, circassiens, et ainsi de suite. Elles n'ont pas les mêmes nationalités et n'ont donc pas les mêmes droits. Alors, il y a eu de nombreux plans qui ont été mis en place au début de l'année 48. Il y a donc eu le déclenchement de la guerre judéo-arabe après la proclamation de l'État d'Israël. Et jusqu'au printemps 48, Ben-Gourion préconise la modération. Ce n'est pas celui qu'on a vu ce soir. Il préconise la modération. Il est uniquement dans la défensive et très modéré. Et au printemps, après qu'il y ait eu de nombreux incidents, le fait qu'il y ait aussi une implication plus importante de l'extérieur, les Palestiniens finalement sont peu nombreux à prendre même les armes. Ce sont surtout des incursions des armées étrangères. À partir du printemps, il décide effectivement d'une politique offensive, et ce sera donc ce plan d'Alet, une politique offensive où on répond au coup, et quelquefois la Haganah, je passe les épisodes de rupture, de réconciliation avec les groupes terroristes, l'Irgun par exemple. La Haganah elle-même participe à des opérations contre des villages palestiniens. Et cette politique des nationalités dont parlait monsieur, cette façon de distinguer à l'intérieur d'Israël les juifs, les arabes, etc. Oui, jusqu'à récemment, c'était indiqué sur les cartes d'identité, la religion. Ça ne se fait plus d'ailleurs. Mais effectivement. Pardon ? Non, mais la religion, c'était une manière de distinguer. De distinguer encore plus facilement. Et justement, sur ce que disait monsieur, c'est-à-dire, l'idée de Ben-Gourion de classer, mais de Ben-Gourion ou d'autres d'ailleurs, de classer les populations selon leur origine, est-ce qu'on sait d'où ça vient ? Quelle est la vision qu'il avait de ces questions-là ? Oui, il a une vision, mais tous ont une vision en fait ethnique des choses. Les Juifs, quand ils viennent s'établir en Palestine, c'est le foyer national juif en Palestine. Et si, par exemple, ils soutiennent les Maronites au Liban, c'est parce qu'ils savent qu'une ethnie qui pourrait acquérir son indépendance leur permettra aussi, après, de fonder l'État. Ils pensent en termes ethniques. Il y a les populations druzes, les circassiens, effectivement. Jusqu'à aujourd'hui, les Israéliens voient le Moyen-Orient comme une mosaïque d'ethnies. Mais c'est étrange, parce que pour des gens qui ont subi eux-mêmes cette classification ethnique et qui ont subi l'antisémitisme en Europe, etc., c'est parce que ce sont des fondateurs qui remontent à cette fin du XIXe siècle, à cette matrice justement très européenne, de classification des races, de classification des populations, ou c'est quoi ? Là, dans ma description de cette mosaïque ethnique, ça n'était pas du tout raciste. Mais aucun jugement ni de hiérarchie. C'est-à-dire, c'est de la géopolitique. Il y a les Maronites qui sont les alliés des Français. Si les Maronites, appuyés par la France, obtiennent quelque chose, le foyer juif en bénéficiera. Les Kurdes ont toujours été soutenus par les Israéliens. C'est Israël qui a créé l'armée des Peshmerga, par exemple, et qui soutient aujourd'hui les Kurdes. Et c'est de la géopolitique, parce qu'ils savent que... C'est une façon de diviser... De diviser les grands ensembles. De s'appuyer sur certains. Voilà. Si les Kurdes obtiennent leur indépendance, ils diviseront les grands ensembles, Syrie, Irak, la Turquie, voilà. Et en fait, oui, c'est une vision géostratégique. Et puis, cette idée d'État-nation, Israël s'est fondé là-dessus. Une question de monsieur. Oui, merci beaucoup. J'ai été frappé. À chaque fois que je revois cette époque, je suis frappé par l'alliance ou l'entente improbable de la Russie et des États-Unis en pleine guerre froide. Sur cette question du Moyen-Orient et de Suez,
quelle était, en fin de compte, la vision des États-Unis à l'époque vis-à-vis d'Israël et de Ben Gurion? Alors, à l'époque, c'est Eisenhower et les Américains ne sont pas très proches de Ben Gurion. En fait, on parle beaucoup du sentimentalisme, de l'alliance franco-israélienne, mais Ben Gurion a hésité pendant très longtemps à s'allier avec les Français parce que la France n'était pas un allié sûr. On a parlé du Quai d'Orsay. Effectivement, il fallait, pour que l'alliance se fasse, il fallait qu'elle soit secrète. Cette amitié. Il ne s'attendait pas, par exemple, à ce qu'une opinion publique française, si elle avait été avertie de cette alliance, continue à soutenir cette alliance. C'est-à-dire qu'il craignait que, en allant au-delà de certains cercles, eh bien, la France aurait pu changer d'avis vis-à-vis d'Israël. Non, l'opinion était acquise à Israël. On était au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. L'opinion était très pro-israélienne. Oui, ça, c'est vrai. Oui. Mais Ben Gurion doutait beaucoup de la France parce que. Cette amitié tellement proclamée aussi après 57, ouais. Eh bien, elle ne trouvait aucun fondement, aucune trace réelle. Même après la guerre de Suez, quand on sait que les Français se sont alliés, ont fait un pacte secret avec Israël, eh bien, il n'y aura pas d'accord d'amitié, par exemple. Aucun traité d'amitié. C'est quand même incroyable qu'une alliance, une amitié ne puisse pas trouver de raisons concrètes, ne se matérialise pas concrètement, officiellement, au grand jour. Et Ben Gurion redoutait, non pas l'opinion, mais il redoutait, oui, La versatilité de... Il redoutait le Quai d'Orsay, il redoutait quoi, la politique pro-arabe de la France. Et il se disait que cette alliance était basée sur quoi ? Il le savait très bien, sur les intérêts français en Algérie. Et Ben Gurion savait que ces intérêts ne pourraient pas durer longtemps. Et donc, oui, la France était une alliée versatile et peu intéressante. Pendant longtemps, elle a été un pis-aller, un second best. Ben Gurion, en fait, voulait avoir l'amitié américaine. Il a cherché jusqu'au dernier moment, même encore en 1956, à avoir la sécurité américaine, à avoir une protection américaine avec des armes, mais aussi des garanties. Et il ne l'a jamais obtenu. Et c'est pourquoi il s'est tourné vers la France. Donc on peut aujourd'hui parler encore de cette amitié, elle est formidable, oui, mais c'était un adepte de la réelle politique. Et en fait, il s'est tourné... Par la France, cette alliance était une alliance par dépit, ouais. Une alliance par défaut. Ouais. Et à partir de quand les dirigeants israéliens obtiennent-ils le soutien des États-Unis ? Parce que la question que posait ce monsieur, c'était aussi cela. C'est-à-dire, est-ce que les États-Unis, finalement, vont finir par reprendre la main, puisque cette alliance par défaut ne va plus fonctionner, par exemple, avec De Gaulle ? Oui, là, les États-Unis, en 1956, ne veulent pas entendre parler d'Israël. La doctrine Eisenhower, c'est quand même de refuser toute cette vieille politique qu'on appelle la politique de la canonnière. Ce coup à Suez, cette opération contre Nasser, c'est tout ce que Eisenhower déteste. Et Israël trouvera grâce à ses yeux à nouveau en 57. Ah oui, 57, ça va pas attendre 58. Très longtemps. Non, parce qu'Israël est un allié important. Et par exemple, en 57-58, il y a l'affaire jordanienne, l'affaire du Liban. Et Israël est une base occidentale dont les Américains ne peuvent pas se priver. Israël va beaucoup aider les Américains dans l'opération au Liban, notamment. Et Kennedy, plus tard ? Plus tard, Kennedy, ça n'est pas une alliance si chaleureuse. Et il y a notamment la question du nucléaire. Les Américains refusent qu'Israël puisse acquérir la bombe atomique. Et donc, il faudra attendre encore plus longtemps pour que cette alliance qu'on imagine séculaire désormais... On a l'impression que ça a été une alliance de tout temps. C'est vrai que les Américains, les États-Unis ont été les premiers à reconnaître l'existence de l'État d'Israël quelques minutes après sa proclamation. Mais en fait, c'était une alliance difficile. Les Américains étaient dans le même contexte et dans... que les Français.
avec une diplomatie qui était très pro-arabe. Les meilleurs alliés américains, c'est quand même les Saoudiens. Et donc, ils avaient peur de se rapprocher d'Israël et de se détourner de leurs alliés alliés arabes et de leurs partenaires économiques arabes. Donc, ils étaient dans la même configuration que les Français pendant très longtemps. Donc, c'est bien après Kennedy. En fait, l'alliance, l'histoire entre la France et Israël prend fin officiellement quand naît l'alliance avec les États-Unis. Pourquoi ? Parce que c'est 67. De Gaulle, par un retournement stratégique incroyable, ça veut dire abandonne... que les premières années de Gaulle sont encore marquées par cette alliance. Je disais officiellement parce qu'en réalité, dès 1959, De Gaulle décide d'en finir avec la coopération secrète et trop importante sur le plan nucléaire, sur le plan militaire. Songez quand même que Shimon Peres avait ses bureaux au ministère de la Défense par une porte dérobée. Et De Gaulle, c'est l'homme de la grandeur, c'est l'homme de la souveraineté, et il ne supporte pas simplement par une simple question de principe de pouvoir partager la souveraineté française, les renseignements français avec une autre puissance, quelle qu'elle soit, même si c'est une puissance amie. Alors il a beau indiquer ensuite notre ami, notre allié. De Gaulle, dès 1959, 58-59, quand il revient au pouvoir, décide de délier ses liens. Et en 67, vraiment, c'est un retournement stratégique parce qu'il abandonne... Le discours du peuple sûr de lui et dominateur à la conférence mais de presse. Surtout, il n'a pas aidé les Israéliens alors qu'il craignait pour la survie de l'État avant la guerre des six jours. Et les Israéliens vont faire la guerre avec des armes françaises, des mystères notamment que les Français leur ont livrés dans les années 50. Mais ce sont les Américains qui vont les aider et qui vont leur permettre d'éviter... Et puisque nous faisons un large tour géopolitique, l'URSS, quelle position tient-elle à ce moment-là ? L'URSS est entrée au Moyen-Orient à la faveur de Nasser, en fait, et de la nationalisation du... Mais dans les premières années, justement, d'Israël, le premier gouvernement... Au tout début, c'est vrai. Au tout début, au moment de la proclamation de l'État d'Israël, l'URSS est proche, et Israël se targue d'être indépendant, de ne pas choisir. Ben Gurion a même une stratégie officiellement, il est neutre. En réalité, il n'attend qu'une chose, c'est de pouvoir s'allier avec les Américains. Pourquoi ? Parce que la politique soviétique, la politique étrangère soviétique, semble pro-israélienne, mais la politique intérieure soviétique est antisémite. Il y a les procès de Moscou. Et... Il y a le livre de Sarah Feinberg qui travaille sur ces questions-là, qui a travaillé en particulier sur ces pogroms ou ces procès réguliers des juifs soviétiques dans les années, des années 50 et des années 60. Est-ce qu'il y a une dernière question, monsieur ? Non, c'est simplement une curiosité. Vous n'avez pas dit précisément pourquoi se retire, dans quelles circonstances Ben-Gourion se retire de la politique active, et quand est-ce qu'il meurt, et est-ce qu'il pense quelque chose après, par exemple, au moment de cette interview, qui a commencé. Est-ce qu'il écrit ses mémoires, déjà Il écrit beaucoup d'ouvrages. On soupçonnait de s'être retiré à Sdebocker dans son kibbutz pour écrire ses mémoires. Il écrit en tout cas beaucoup. Il écrit ses journaux qui seront publiés. Ce sont presque une dizaine de tomes en hébreu. Et ça a été publié récemment, traduit récemment en français. Et il écrit beaucoup son journal, oui. En 63, il démissionne et en fait, il dit que c'est pour des raisons personnelles. En fait, c'est pour l'affaire Lavon. Il ne dira jamais exactement pourquoi il choisit à nouveau de se retirer. Certains diront qu'il rejoue à nouveau l'abandon, la volonté. En attendant qu'on vienne le rechercher. Ouais.
Exactement, comme en 1953, certains diront que c'est à nouveau une manipulation. Mais c'est vrai qu'il se retire parce qu'il est lessivé et qu'il y a une nouvelle génération qui arrive, une nouvelle politique aussi, et qu'il... Qui ne lui correspond plus. Qui ne lui correspond plus, et les gens n'ont plus envie de lui. Vraiment, l'aspect autoritaire domine le tout. Il mourra 9 ans plus tard. Voilà, exactement. 1972. Ouais. Et Ben-Gourion, restera comme un monstre de l'histoire israélienne, comme on le disait en introduction, mais avec toutes ses facettes. C'est-à-dire, il y a eu plusieurs Ben-Gourion, le leader adulé, incontesté, cet homme qui a tout fait, à qui tout a réussi, qui reste quand même un des leaders sur le plan mondial. C'est un bâtisseur de l'État, c'est un des grands leaders du XXe siècle. Il est de la stature des Churchill et des De Gaulle. Et puis, après son retour, Suez, ensuite c'est ça l'affaire. Et là, c'est vraiment un leader autoritaire, acariâtre, quelqu'un qui sait faire avec la politique des hautes sphères, mais qui n'aime pas où il serrait des mains. Et c'est un homme d'une autre génération, c'est un homme d'un autre temps, et Israël entre dans une autre époque. Merci Frédéric Chillot, merci à vous d'être venu au MUCEM pour ce temps des archives, le premier d'une nouvelle série. Nous nous retrouverons au mois de décembre prochain autour d'une figure, très importante de l'histoire et de l'historiographie française, la figure de Fernand Braudel, qui aurait eu 100 ans cette année. Et nous allons discuter de cette personnalité de Fernand Braudel dans 2 mois, donc au mois de décembre. Merci. Je rappelle, Eric Chillot, que vous êtes auteur de La politique française à l'égard d'Israël, c'est chez André Versailles, et également d'un livre avec Marius Schattner tout à fait passionnant qui s'appelle La guerre du Kippour n'aura pas lieu.